Nous saluer la presse parlée, écrite, télévisée en ligne qu'il a. C'est une opportunité, en cinquième fois encore pendant l'année, nous présenter une conférence à la presse pour nous capables de faire le point sur des sujets que nous estimons qui intéressent. Comme nous toujours dit, depuis la quatrième conférence, nous parlons pour une événement de libération de Chelson Sanon. Nous avons une deuxième phase de Chelson Sanon. Maintenant, c'est pour tes plaintes. Et puis, plainte à la déposée semaine ça. Il y a deux plaintes qui ont déposé sur enlèvement, kidnapping, vol téléphone que nous avons dénoncé là. Donc, ensuite, pour nous capables de joindre justice et réparation pour Chelson Sanon. Donc, dans ce sens, nous-mêmes nous disons que la bataille n'a pas mené, nous sommes dans la deuxième phase. Là. C'est une phase opération Madoché que nous sommes. Et je dis à la conférence, il y a deux points là-dedans. Premier point, c'est pour nous capables de demander à commissaire gouvernement pour que lui prenne acte de toute déclaration que Chelson Sanon te fait pendant semaine ça par l'entremise de la presse qu'il était parlé. Il expliquait en détail, bien expliqué, comment l'enlèvement l'a été fait, qui ça a subi l'enlèvement et qui parcours que l'y fait pour arriver libérer jodi à la. Et qui ça a retenu dans ça? Un, c'était un enlèvement ou bien son kidnapping qui est séquestration, extorsion. Et pas oublier que Chelson Duque, il prend un téléphone, il fait vol. Il escorte lui et il arrive en bas. Il y a toute unité la police qui était là parce que c'est un élément dangereux qui vient devant Jules Pierre Maximin. Mais ça veut dire que il est nécessaire, il est important pour que le commissaire gouvernement mande des CPJ pour tendre tout le monde qui était impliqué dans l'enlèvement de Chelson Sanon. Et Chelson Sanon dit clairement qui moun. Il dit bah non yo. Il dit donc deux mesdames qui étaient escortées yo, servies comme garde du corps. Et ensuite, le bourreau, l'assassin, le criminel, le kidnappeur, la tenu dans le pénitencier, qui c'est Pierre Espérance avec documents en main. Donc ça, il faut être clair. Il faut que nous venions dans une situation côté que société ça, il faut que nous nettoyions pour nous retirer la donne. Tout élément irritant, vagabond, qui pensait qu'il a fait la loi, et tandis que lui-même, c'est criminel. Pierre Espérance a tant de Chelson dans la prison. Avec acte d'accusation en amène, qu'elle t'a fait signer, ça ne pas rendu compte. Là. Et par la suite, Chelson dit que, il dit Chelson, prends connaissance de ça, et sous pas prendre de connaissance de lui, ou pas jamais la guerre. Or, nous avons un témoignage là, dans la déclaration qu'il fait, dans l'échange qu'il fait avec lui, mais primé pour nous là, pour nous, ouais, que. Nous n'avons pas besoin de midi à 14h pour nous qualifier sa crise de Chelson Sanon comme un kidnapping. Donc, DCPJ qui est responsable enquête sur la grande criminalité, il a une responsabilité pour faire lumière sur ça. Donc, je ne sais pas bien est, si c'est si Pierre Espérance, petit ceci, petit cela, si Pierre Espérance est grand parrain, grand marraine, ça c'est un cas de kidnapping. Classique que, qui méritait une enquête. Et kidnapper, kidnapper, fait 10 ans. Ça qui est important. Pierre Espérance dans la grande prison contre Chelson, il fait 3 heures de temps, 45 minutes. Là, qui sont carcéral, un citoyen, pour le chita pendant 3 heures de temps, 45 minutes. Pour faire qui ça? Il y a Chelson tout non. Il y a une chaîne dans pied, chaîne dans rel, l'international, il a passé l'examen et il rend compte qu'il n'est pas coupable. Et qui est-ce qui a traduit pour Chelson? Marie-Rosie Auguste du Sénat. Il y a un membre de kidnapping qui fait kidnapping. C'est le cas traduit pour Chelson. C'est le cas Chelson, avocat, qui se met marié. Donc, c'est un cas. Et nous demandons, commissaire gouvernement, il faut le faire presser, presser, pour demander pour que vous auditionnez tout le monde qui est impliqué dans AXA, que nous-mêmes nous qualifions de kidnapping. Là, nous dénombrons ça, nous avons plus que 10 chefs d'accusation contre l'expérience dans ça. En dehors de kidnapping, association malfecteur, il y a un étranger qui mélange la donne, il y a un vol téléphone. Ouais, nous avons quelques la donne. Il y a plus que 10 chefs d'accusation dans sa crivé Chelson. Non. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous disons que commissaire gouvernement, DCPJ, je vais être pour. Si c'était un lot, longtemps, il a auditionné. Mais il n'y a pas c'était Chelson. Donc, ça,
li clair et dossier ça m'a dit nous là li pral sur le plan international clair nous va sur le plan international avec lui sur tout rapport assassinat massacre crime que Pierre Espérance fait citoyen en d'un pays ça déjà nous en contact avec des organisations internationales et dossier Netty Diego Charles massacre d'Elma 32 tout pral sur le tapis faut lumière faite sous lui et DCPJ qui a toute information possible et imaginable sous gang 4x4 là. Dernière date, le Florival Mendy qui a arrêté dans ce map, dans affrontement avec la police. Monsieur ça impliqué dans tuer policier. Il y a une zame la police dans mes d'après information DCPJ qui a mis. Il y a arrêté avec plusieurs autres mounes et monsieur certifié, il justifié que il s'est bras droite et gang 4x4 dans la Tibonite. Là, nous avons dit que gang 4x4 est un bail qui est puissant. Donc, déjà là, allez au niveau des CPJ. Les CPJ, il faut qu'il y ait un bail rapport. Tandis que les bails blancs, les bails internationaux, la prochaine conférence qu'on a fait là, on a vu avec liste de monde qui était chita des CPJ, qui a le temps des rapports des CPJ gagnés, plainte gagnée, dossier gagné, super expérience. Monsieur étranger, ça, ok, je me doute que sont du Texas. Il a tellement saisi, il a mis en tête. Il a tellement prêté à faire une conférence de presse, il n'a pas fait. Mais ça, autant dit, ça, ouais, maman petite, Marie. C'est grave pour une organisation de droits humains. Mais dis-nous encore que, il a arrêté Florival Mendy avec matériel, la police, dans même, DCPJ. Il y a toute information ça. Et dans ce sens, ça, nous dit que, faut que DCPJ assume responsabilité. Il fait lumière sous gang 4x4 là pour rapport à jeune commissaire gouvernement, même gens que le commissaire gouvernement dit, la tonne rapport sous gang 4x4. Donc, Pierre Espérance a fait diversion, il a créé diversion, il m'a pas annoncé que Pierre Espérance par un pays.